J'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de mai. Mais c'est le mois de mon anniversaire. Donc, je sais pas si je vais craquer, si je vais pas craquer. Et en même temps, il faut pas que je craque parce que je sais pas ce que je vais recevoir. Donc, voilà. Je vais sûrement attendre que mon anniversaire passe pour. Donc le 1er mai, j'ai noté Thérapie du crime de Sophie Jomin et Maxime Gilio, je sais pas trop comment ça se dit. Mais bon, les Sophie Jomin, j'essaye de tous les avoir. Même si le dernier, je l'ai pas encore pris chez Milady, je sais même plus comment il s'appelle. Je vous mettrai la couve ici, comme celui-ci. Mais non, je l'ai pas encore pris, je trouve qu'il est cher et qu'il est pas très épais, ça m'ennuie. Mais bon, voilà, Sophie Jomin, c'est une autrice que j'aime beaucoup et qui est du coin, donc voilà, je vais la soutenir, donc, je l'achèterai sûrement. Le 2 sort Lucas, donc de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Les Franck Tillier, j'essaye de les amasser maintenant, donc voilà. J'aimerais bien me le procurer. J'attendrai sûrement la sortie poche. Voilà. Sort aussi Circé de Madeleine Miller aux éditions Pocket. Celui-ci me faisait beaucoup envie en version VO, mais clairement, je n'ai pas le niveau. Donc voilà, pourquoi pas. Le 2, toujours, Quand nos souvenirs viendront danser aux éditions Fayard, donc de Virginie Grimaldi. Donc ça, c'est une autrice que j'aime bien. Et voilà, quand j'ai envie d'un petit truc feel good, sans prise de tête, pourquoi pas en avoir régulièrement dans ma pile à lire. Sort aussi le manuscrit inachevé, non, le manuscrit inachevé de Franck Tillier, donc en version pocket, en version poche, du moins, chez Pocket. Parce que voilà, le grand format est très cher, je trouve, et voilà, je vais peut-être essayer d'avoir les Franck Tillier en version poche. Sort aussi le deuxième tome de Félin pour l'autre, donc de Wataru Nadatani chez Doki Doki. Donc j'ai lu le premier tome, je vous en parlerai prochainement dans le prochain update lecture. Je me suis noté le tome 2. Je vais pas trop. Enfin, je vais pas. Enfin, j'en dis pas plus. Je me suis noté le tome 2. Sort aussi Ton âme sœur ou presque chez HarperCollins, donc de Kristen Higgins. Mais celui-là, acheté neuf, je pense pas. Voilà. J'ai toujours pas commencé Kristen Higgins, je pense. Mais je les amasse. C'est ma belle-mère qui les lit, en fait. J'ai noté le tome 1 de la saga Legacy of Orisha. Donc c'est Children of Blood and Bone en version VO. Et là, c'est De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Donc c'est chez Nathan. La couve est la même, il me semble. Donc ça, c'est bien parce que c'est chez Gallimard qui n'ont pas pris la même couve pour la saga d'Iskari, la tueuse de dragons. Je suis déçue. Je suis déçue qu'ils aient pas pris la même couve. Donc je pense que celui-ci, ça sera en e-book et c'est tout. Voilà. Parce que quand le livre me plaît pas. Ouais. Très, très superficiel. Le 2 sort aussi le deuxième tome de Sorceline. Donc La fille qui aimait les animaux monstres de Sylvia. Comment ça se dit ça? Dowillet. Je sais pas trop. J'ai pas le premier tome. Je l'ai mis sur ma Wish pour mon anniversaire. Donc je sais pas si on va me l'offrir ou quoi. Mais bon, je préfère me faire offrir les BD vu le prix que ça coûte. Voilà. Après, on va passer au 8. Sort le premier tome de la saga AS Side. Je sais pas si c'est le titre de la saga ou le titre de ce premier tome, mais bon. C'est La Meute Maudite, donc d'Alfreda Henry. J'aime beaucoup la couve. Et Alfreda Henry, c'est une autrice qui m'interpelle depuis d'autres sagas. Donc, mais celui-là, la couve est très 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 très
très belle. Donc ouais, je pense que celui-là, je vais peut-être craquer. Donc c'est chez Milady Emma. C'est chez Emma. C'est Milady Emma. Je suis vraiment une booktubeuse en carton pâte. Hein. J'ai oublié pour le 2. Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerutti aux éditions City. Mais bon, en même temps, je regarde plusieurs fois. Je regarde à plusieurs fois et. Enfin, j'en renote. Donc, forcément, c'est pas tout dans l'ordre. Ne m'en voulez pas. Mais voilà, celui-ci aussi me fait de l'œil. Ensuite, j'ai noté au 15. J'espère que je n'ai pas d'autres. Ouais. Au 15. Je me suis noté Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés. Je trouve juste le titre trop choupi. Donc voilà, il me fait envie. Donc aux éditions Milady et c'est de Annie Darling. Toujours le 15, on comptera les étoiles de Florana. Aux éditions J'ai lu. Donc Florana, j'ai beaucoup de mal. Mais je veux lui laisser sa chance. Donc je continue. Voilà. Verra. J'entends que des bons avis sur Florana et à chaque fois je dois beaucoup trop en attendre, je pense. Ensuite, je me suis noté Ce qui nous consume de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Il me semble que c'est la suite de celui qui est sorti le mois précédent. Non, sorti du mois de mars. Ensuite, il y a aussi le tome 2 de Terre de Brume qui sort, donc Le choix des élus de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Je n'ai toujours pas lu le premier tome et je n'ai toujours pas lu Cindy Van Wilder. Voilà. Voilà. Malgré que j'ai. Ah non, vous ne voyez pas, mais j'ai mon autre passeur ici que je n'ai toujours pas ouvert. Ensuite, sort le. Putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. Alors, avec un titre pareil, voilà, j'ai été interpellée, donc ça me donne envie. C'est chez Milady et c'est de Annelies McIntosh. Voilà. Donc, celui-ci, il a intérêt à tenir ses promesses. Le 29, j'ai noté la sortie du tome 2 donc, de Lynn Gorman et Mathieu Guibé. Donc, aux éditions Alba Michel, c'est Sky Burning Down to Ashes. Donc c'est le tome 2 de Ashes Falling the Sky, For the Sky. A chaque fois j'ai du mal avec ce titre. C'est pas possible. Donc voilà, je me suis noté ce tome 2. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais je l'ai téléchargé celui-ci. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai filmé mon book haul du mois d'avril. Je sais même pas si je l'ai filmé. Je pense que je l'ai filmé. Sinon, bah, je suis dans la merde parce que j'ai... Comme vous avez pu le voir, ça a changé au niveau du fond. J'ai 3 bibliothèques derrière moi maintenant. Voilà, il y en a encore une autre là-bas, il y en a encore une autre à côté, mais ça a chéri. Hein. Voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de bibliothèques maintenant, donc j'ai de la place. Il ne faut pas que j'achète. Donc j'ai tout rangé et bah, je pense que j'ai fait mon book haul, sinon bah, pff, ils sont rangés quoi. Je pense que je l'ai fait. Je sais pas. Mémoire, où es-tu? Donc je ne sais pas, je pense que je l'ai filmé. Je l'ai filmé au début du mois, il me semble. Enfin bon. Et toujours le 29, sort Monsieur de E.L. James aux éditions de J.C. Lattès. Donc voilà, E.L. James, 50 nuances. Ce qui m'a permis de revenir à la lecture. Voilà, c'est en lisant les 50 nuances que je me suis remise à lire, comme beaucoup de personnes, je pense. Et voilà. Je me demande bien ce que ça va donner. Si ça va être dans le même genre ou... Ben, on l'attend un petit peu au tournant, je pense aussi. Donc, à voir. Mais bon, je me le suis noté. Donc voilà pour les sorties du mois de mai qui me font envie. Ça se trouve, j'en ai peut-être loupé. Mais bon, je pense que j'en ai déjà noté pas mal. Mais voilà, pour les sorties qui me font de l'œil, clairement... Je sais pas trop sur quoi je vais craquer. Mais bon, c'est mon anniversaire, donc peut-être que... Mais bon, je craquerai peut-être pour des sorties du mois précédent. Je ne sais pas. Je verrai bien déjà ce que je trouve. Hein, parce que clairement, quand on se déplace dans les librairies, il n'y a pas forcément ce qu'on recherche.
il y a des sagas qui vous font envie, par exemple en bitlit, par exemple chez Milady, et à chaque fois que vous y allez, bah, il y a les derniers tomes sortis, mais il n'y a pas les précédents. Et ça, je trouve ça dommage que qu'il n'y ait pas le premier, deuxième tome de la saga 2 disponible, qu'il faille à chaque fois commander. Enfin, je trouve ça, pour donner envie de commencer des sagas, il devrait et toujours y avoir les premiers tomes d'une saga 2 disponible dans une librairie, je trouve. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais si vous voulez donner envie à une personne, tout le monde n'en est pas au dernier ou avant-dernier tome paru, enfin je sais pas. Et si voilà, ces tomes font de l'œil, voilà, il faut forcément les commencer. Donc je sais pas. C'est pareil quand je vais à Géant où ouais, il n'y a que les derniers tomes manga sortis, il n'y a pas les précédents et je trouve ça dommage. Sur cette fin un petit peu comment on peut dire très philosophique, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.